Guangzhou. En français, Canton. Et sans doute l'endroit de Chine qui s'est le plus spectaculairement développé au cours des 40 dernières années. Moi, je suis venu ici il y a près de 40 ans. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qui se passe ici. Il y a des valeurs culturelles qui restent. Mais il faut s'adapter au monde. La réforme, c'est l'adapter. Et donc, il a fallu faire des réformes pour sortir 700 millions de Chinois de la pauvreté. Je crois par exemple que la route de la soie, les nouvelles routes de la soie, c'est un projet extraordinaire de mobilisation des peuples. Ça met tout le monde dans la même direction et je crois que c'est très important. Avec une telle frénésie d'activité, la Chine du Sud est devenue une région clé. Votre pensée paradoxale, le yin et le yang, est une pensée qui apporte des réponses modernes dans un monde complexe pour lequel il faut avoir toujours une vision équilibrée, tempérée, modérée. Ces grands poètes qui vont chercher la beauté dans la nature, dans la montagne, dans l'eau, dans le silence, dans les nuages, dans ce dialogue entre le ciel et la terre. La Chine s'est donné les moyens de porter son grand projet, qui est le projet de communauté de destin pour l'humanité. Voici la plus récente splendeur de la Chine du Sud. Cette fois, il ne s'agit pas de l'œuvre de la nature, mais d'un ouvrage humain. Il n'en est pas moins impressionnant, gigantesque, démesuré. Que l'amitié, l'amour entre les Chinois et les Français soit durable pour longtemps.